Bonjour. Quand il est question de territoire, à un moment ou à un autre se pose la question de la souveraineté. C'est un point qui est crucial en droit, mais c'est pas sous cet angle-là que j'aimerais vous l'aborder. Moi, j'aimerais vous présenter plutôt aujourd'hui la souveraineté sur l'être, souveraineté intérieure. C'est en effet dans le cadre d'un programme qui a vu le jour, pas dans les années 70, mais plutôt dans les années 80, à l'Université du Massachusetts, auquel je me suis formé il y a quelques années, pour pouvoir l'enseigner en France, qui s'appelle MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, ou réduction du stress par la pleine conscience. Ce programme a été mis au point au départ pour venir en aide dans le milieu hospitalier, mais on va voir qu'il a quelque peu évolué par la suite. Alors, pourquoi j'insiste sur cette notion de souveraineté sur l'être? En fait, dans la vie, on va tôt ou tard rencontrer des contraintes. Contraintes externes, divorce, problèmes relationnels au travail, contraintes internes, des maladies, des désordres émotionnels. Progressivement, ces contraintes peuvent nous envahir, peuvent progressivement avoir raison d'une forme de liberté intérieure et avoir raison de tout notre espace personnel. C'est à ce moment-là que va pouvoir apparaître comme une ressource importante ce qu'on appelle la pleine conscience, c'est-à-dire une capacité de présence qui va permettre de restaurer une forme de liberté intérieure que moi j'appelle, pour cet après-midi, cette souveraineté intérieure. Alors, comment ça marche? En fait, il s'agit de considérer un peu de quel territoire on parle, pour commencer. On va parler du territoire de notre être qui est composé du corps et de la conscience. Pour ce qui est du corps, par exemple, rien n'est plus facile. Je me situe au point A, et si je veux aller au point B, ma foi, j'ai qu'à marcher, et me voici rendu à ma destination. On peut dire que la souveraineté sur mon corps est totale. En fait, du point de vue de cette dynamique basée sur la pleine conscience, c'est pas tout à fait sûr. Je me suis servi du corps. J'ai fait quelque chose avec mon corps. Est-ce que j'étais présent à mon corps? Est-ce que je me suis servi du corps pour être présent dans les perceptions sensorielles, dans ce qui se passait en moi, autour de moi? En faisant ça, en se servant de ce qui se passe dans l'instant présent, à travers le souffle ou l'attention au corps, on va restaurer une capacité de conscience qui est extrêmement importante pour l'équilibre intérieur. Et ça, ça va être une porte d'entrée pour justement ce qui va se passer sous le deuxième aspect de notre territoire, la conscience. Alors, pour la conscience, en fait, une fois qu'on a un peu dégrossi le travail, qu'on n'est plus présent à son corps, comment ça va pouvoir fonctionner? Imaginons que chaque jour, vous devez aller à un endroit précis. Chaque jour, vous devez aller à votre travail, par exemple. Si on refait chaque jour ce même processus, progressivement, ça va devenir automatique. On prend son manteau, on prend les clés de sa voiture, on démarre sa voiture, on va sur le lieu de notre travail. Et on va basculer progressivement dans ce qu'on appelle, dans notre jargon, le pilotage automatique. En fait, le processus cognitif de l'esprit fonctionne exactement de la même manière. Progressivement, des tendances habituelles, nos croyances, nos schémas mentaux prennent possession de notre véhicule intérieur. Et le travail de la pleine conscience va être justement de dire « Hé, une seconde, est-ce qu'il y a de la place pour un peu plus de présence? Est-ce qu'il y a de la place pour être plus au volant du conducteur? Retrouver cette place, restaurer cette place du conducteur. » Et un des travaux de l'attention, de la présence, va être de renouer ce contact avec le véhicule. Alors, pour vous donner un exemple de comment ça pourrait fonctionner, en fait, il y a quelques années, j'ai perdu un ami très proche. Et on avait l'habitude de discuter un peu le soir en regardant le soleil se coucher. C'était une expérience assez agréable, qui se répétait assez régulièrement, ce qui fait que quand j'étais en voiture ou autre et que je voyais le soleil se coucher, j'avais toujours un petit moment de rappel de mon ami. Et puis quand il est mort, c'est exactement le contraire qui s'est passé, à tel point qu'on peut même penser que j'essayais des fois d'éviter de trop regarder le soleil quand je conduisais. J'étais un peu dans une situation d'évitement. Dans cette méditation que va proposer cette approche de la pleine conscience, qu'est-ce qui va se passer? En fait, on va s'apercevoir que d'un côté, j'ai une perception sensorielle, le soleil,
Et de l'autre côté, j'ai ce sentiment de tristesse. Les deux ne sont pas liés, alors que dans notre processus habituel de connaître les objets, ce qu'on pense des objets et les objets eux-mêmes sont liés indéfectiblement. Et le soleil que je vois aujourd'hui, ce n'est pas le soleil que j'ai vu hier, et ce n'est pas le soleil que je verrai demain. C'est le soleil de maintenant, ici et maintenant. La tristesse que j'ai aujourd'hui, ce n'est pas la tristesse que j'aurai tout à l'heure, ni celle que j'aurai demain. Elle peut bouger, elle peut être envahissante, parfois non. Et dans cet espace qui est entre mon émotion et le soleil qui se couche, il y a un espace de conscience. Et c'est dans cet espace de conscience que, progressivement, je peux retrouver une forme de souveraineté, une forme de conscience souveraine. Et ceci pour vous dire qu'en fait, cette souveraineté intérieure, elle ne se fait pas par une prise de pouvoir. On n'est pas là dans une forme de suprématie ou d'hégémonie d'un soi. Simplement, cette conscience intérieure, cette souveraineté, elle nous permet simplement de redevenir sujet de notre expérience. Et c'est un point clé. Ce rapport-là, en fait, il ne se fait pas juste aussi facilement. Il s'agit d'un entraînement assez intense qui est fait dans le cadre d'un programme qui, la plupart du temps, dure 8 semaines et qui nous oblige souvent, qui oblige les participants à revisiter quelques-unes de leurs fragilités. Mais il y a quand même une convergence de faits qui fait que il y a un certain nombre de bienfaits qui sont reconnus à présent autour de cette méthode. Et comme on l'a dit dans la présentation, il y a plus de 200 hôpitaux qui ont aux États-Unis associé des sections de programmes basés sur la pleine conscience, ou même maintenant on voit aussi apparaître dans les universités des recherches faites sur contemplative neuroscience, les neurosciences contemplatives. C'est vrai à Harvard. On a le professeur Davinson aussi, très actif au Wisconsin, qui fait pas mal de recherches autour de ça. Et vous avez aussi une autre université sur la côte Est, Brown University, où là, il y a carrément un département de contemplative studies, où là, c'est la méditation et toutes les traditions contemplatives qui sont en association avec ces méditations, qui sont mises un peu à disposition de différents secteurs de recherche. Ça existe évidemment sur la côte ouest, on a en particulier l'université de San Diego, Californie et San Francisco qui ont aussi des démarches similaires. Alors, on a pu comme ça voir dans cette approche de la psychologie bouddhique et les dernières expériences qu'on a pu faire sur le cerveau, une capacité du cerveau d'influencer son expérience. En fait, au départ, on pensait que c'était le cerveau qui façonnait notre réalité, qui façonnait nos tendances. En fait, maintenant, certaines personnes qui travaillent dans ce milieu disent « Non, en fait, c'est l'esprit qui façonne le cerveau. » On parle de plasticité du cerveau. C'est un domaine qui est encore controversé, il y a encore beaucoup de recherches à faire, mais ça paraît quand même assez intéressant. Alors, pour revenir un peu en France, et particulièrement dans cette région d'Aquitaine, j'aimerais partager avec vous un projet qui me tient assez à cœur, qu'on est en train de développer à Bayonne. Là, depuis quelque temps, il y a des personnes qui ont été atteintes du cancer, qui ont fait ce programme et en ont tiré un certain bienfait, et qui ont voulu s'organiser en association, ainsi que d'autres associations qui soutiennent les patients. Et à partir de 2013, on va proposer en chambre stérile, ainsi qu'aux patients atteints du cancer, des programmes basés sur la pleine conscience. Et pour moi, c'est vraiment un moment clé, parce qu'on se retrouve vraiment dans la même situation que ce programme a apparu à l'université du Massachusetts. On a des personnes, en l'occurrence moi, pour commencer en tout cas, qui viennent, une personne qui vient du milieu traditionnel de la méditation, pour qui ce n'est pas toujours si évident d'adapter un enseignement méditatif traditionnel dans un contexte laïque, dépourvu ou en tout cas arreligieux, pour des personnes qui ne sont pas forcément en demande de ça, mais qui veulent améliorer leur bien-être, leur mieux vivre, s'apercevoir qu'ils ne sont pas simplement leur maladie, mais qu'il y a une qualité de conscience intérieure qui peut les aider à vivre autrement leur maladie. Et de l'autre côté, on a des personnes qui sont atteintes du cancer, qui est une maladie très difficile parce qu'elle touche l'essence même de notre être au niveau des cellules. Et là, en termes de souveraineté, on est vraiment attaqué dans la moelle des os, c'est le cas de le dire. Et revisiter cette maladie à la lumière de la pleine conscience, c'est un challenge assez important. Et puis, on a aussi le corps médical qui va aussi participer à cette expérience pour voir un peu l'évolution du bien-être,
comment ça peut fonctionner pour les patients. Et pour eux aussi, c'est un défi, parce que ça amène à revisiter un certain nombre de paradigmes, de façons d'envisager la médecine, de façons d'envisager le rapport au corps, le rapport à la conscience. Et tout ça, ça suscite beaucoup de remises en question, qu'on soit médecin ou qu'on soit psychologue. Et c'est cette convergence des trois qui, pour moi, est au centre de ces interventions basées sur la pleine conscience. Alors, elles ont quitté, ces interventions basées sur la pleine conscience, le champ strictement médical pour aujourd'hui s'établir dans le cadre du management, où il y a de très belles choses qui sont en train de se faire, notamment à General Mills aux États-Unis et aussi à Google Campus. Et également, dans le milieu carcéral, on a des programmes très chouettes, et évidemment dans le milieu de l'éducation, pour les enfants et les jeunes adultes, et les enfants en difficulté, principalement aux États-Unis, mais aussi dans certaines partie de l'Europe. Alors, pour moi, l'intérêt de présenter cette dynamique de la pleine conscience, cette souveraineté intérieure, c'est que aujourd'hui, quelques personnes qu'on soit, comme le rappelait le responsable du Collège de France, on est à une époque où l'homme n'a jamais connu autant de modifications de son mode de vie que depuis ces 100 dernières années. Et ça va de plus en plus vite. Le temps, le rapport à l'information, le vivant devient une matière première, le biologique devient une matière première, exploitable, la machine est de plus en plus intériorisée avec les nanotechnologies, l'esprit va de plus en plus dans les machines, on voit notre identité s'étaler à travers les réseaux sociaux, et c'est quelque chose qui est très dispersant comme monde moderne. Et il me semble qu'arriver justement à trouver un point d'équilibre qui soit en dehors de la fascination pour ça, et en dehors de la répulsion, de la peur, et encore moins en dehors de l'indifférence, c'est un point qui est vraiment important pour appréhender de manière lucide et pour pouvoir agir dans un monde de plus en plus complexe. Il me reste à vous proposer un exercice en conclusion. Certains d'entre vous vont applaudir, d'autres non. Est-ce que ça sera possible pour vous, quand vous allez applaudir, d'être simplement conscient du bruit que font les mains quand elles se touchent, du mouvement de votre corps quand les mains vont bouger, ou simplement du son que vont faire les autres personnes assises autour de vous à la fin de cet exercice. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de journée.